petit peu de temps, donc on va juste terminer cette mission là. Il me faut absolument mon Par ici. Ouais, ici. C'est pas le moment. Je vais rester près de Clara quand même. Ok, ça, Clara elle a le même système de régénération que nous.
Bon. Que dalle. Allez. Oh non, pitié, non. Allez. Bah oui, j'ai une arme, on me tire dessus. Vu que je croise pas le métro. Allez. Clara, est-ce que ça va? Comment est-ce que tu veux que ça aille? Putain. Mais Piti. Bon. Je sais pas comment. Je connais un endroit où on peut parler. Viens. Bon. Non, reviens avec ta... À la télé, ils parlent d'un incendie dans ton hôtel. Tu peux pas faire ton check-out comme tout le monde. Tu m'as déjà vu faire quelque chose comme tout le monde. Mais tu fais de l'humour. Ça fait longtemps que j'ai plus l'habitude. T'habitues pas. C'est pas prêt de se reproduire. J'ai plus accès à mon réseau, il me faut du matériel. Ah, ça c'est pas mon problème. T'as pas voulu qu'on bosse en équipe, tu te débrouilles. Mais dépêche-toi, j'ai besoin de toi à 100%. Hé, ma belle, y a ton frère qui veut te parler. Il est en sécurité. Où es-tu? Je sais pas. Il fait froid. J'avais les yeux bandés pendant tout le trajet. J'ai peur, Nathan. Je sais, mais t'as... Kate, je vais te sortir de là. Écoute, je connais Damien. C'est pas un malade, il fera pas de mal. Mais sois prudente quand il est là. Il se sert de toi pour m'atteindre. Quoi? C'est fini. Bon, dis donc, que tu lui as dit, elle est en larmes la pauvre fille. Damien, repasse-la-moi. Si tu veux continuer à discuter, tu suis l'adressité et tu m'apportes quelque chose d'utile. Salut. Bon. Ouais, je suis sûr que je peux quitter le jeu ici et... Mais j'espère que ce qu'elle va me filer, c'est une planque, quoi. Pour que je puisse sauvegarder vraiment proprement. Hop. Oui, mon bateau est garé. Et alors? Ah là là là. Bon.
je veux bien, mais je suis pas magicien. Hein. Il va falloir que je t'aie à l'eau. Bon. Non, bah écoutez, ça a l'air d'être une mission et pas d'être une planque. Une nouvelle planque. Donc, et bah écoutez, bah sur ce, bah je vous dis à bientôt. Je sais pas du tout si on a plein milieu d'un épisode ou pas, mais ça fait rien. Allez, saute. Bon bah... Un pied dans la tombe. Ce sera le titre de la prochaine mission. Allez, moi j'allais faire une pause et puis ben je vous dis à bientôt. Et nous nous retrouvons après une grande pause. Grande pause durant laquelle j'ai encodé ben, toutes les vidéos. Ça m'a pris plusieurs heures donc je suis reposé, prêt à reprendre la mission. Je vais juste augmenter un petit peu le son de mon PC. Voilà. Et on va commencer cette mission. À pied dans la tombe. J'ai perdu tout ce que j'avais. Tous mes disques durs et même mon accès réseau. Il faut que je trouve le moyen de me remettre en ligne. Elle est où, Clara? Oh, fais gaffe, Aiden. Tu peux pas la mêler à tout ça. Bon, bien sûr que si. Cet endroit, quelque part par là, c'est censé être le premier site de test du CityOS. On l'appelle le bunker. En tout cas, c'est ce que dit la légende urbaine. Le bunker? Avec accès à la ville entière? Un accès indétectable. J'ai fait des recherches pendant des mois. J'ai épluché le cadastre, quadrillé la ville et cherché tous les trucs cachés. Il y a une zone vierge sur toutes les cartes, juste là. Enfin, dans le coin. Et pour le motel, j'ai peur que t'aies perdu ta caution. Elle est pas mal celle-là. Il faut qu'on le trouve. Ah, dommage, hein, les... Dommage, hein, les tatouages en moins et... Une coupe de cheveux un peu moins ridicule, elle pourrait être mignonne. Ok, trouver un moyen d'activer le pont. Hop, le profiler, évidemment. Ton visa est expiré, Clara. Je sais pas, je t'en informe. Maladie de Parkinson, 30 ans, d'accord, ok. Il y a quelqu'un là. Putain, fais chier. Qu'est-ce qui t'arrive, Clara? Ah ah.
Studio peut-être? Non. Ah, j'ai trouvé. Disponible. Ok. Voilà. C'est ici que Tobias vend son matériel. Surtout des trucs de marché noir. Tu pourras y trouver des plans assez rares, si t'as ta chance. Il est pas là. Qu'est-ce qu'on fait? Quelqu'un dans le coin sait comment le joindre. Je vais jeter un œil. Ok. Trop de gadgets pour un endroit pareil. Oh oui, un peu de poker. Un poker. Voyons voir où tu te caches. Ça y est, je te tiens. On peut jouer au poker. Et c'est quoi ça? Il y a quelqu'un d'autre qui trace l'appel. Ça doit être des fixeurs. Hé, tu vas pas le croire. J'ai trouvé l'autre là. Tobias, tu sais? Je vais te chercher tout de suite. Ok. Bah, fonce garçon. Oups, pas par là, par là, ce sera mieux. T'avais raison, il est parano. Mais je l'ai trouvé. Tu veux y aller tout seul, c'est ça? Je comprends. On se retrouve sur l'île. Je peux pas prendre ça? Non, pas moyen. Bon. C'est par où la sortie? J'ai pas vu la sortie. Ok, bon. Ah.
Attendez, en fait, c'est moi qui me plante. Le tracé jaune, en réalité, c'est pas ma voiture. Voilà. C'est celle de l'autre. J'ai perdu du temps. Bon, ça fait rien. Allez, allez, allez. Oui, on devait parler d'un truc avant de... Non, ouais, on devait parler des traçages IP, mais bon. Je vous ai expliqué comment faire, mais... Mais légalement, faut demander une procédure judiciaire. C'est juste histoire de pas me planter au virage là, parce que ce genre de virage... Je dois pas me faire repérer, c'est ça? Il me faut du renfort. Allez, cherchez-le. Qui faut le trouver là? Ok, maintenant, on va aller se faire un petit poker avec Tobias. Bon, eh ben on va voir si je suis toujours bon au poker. Alors, faut savoir que le poker en ligne... Le poker illégal dans le coin. Grosse surprise. Je suis plutôt bon au poker, mais en ligne. Le poker réel, je suis une merde. Pour la simple et bonne raison que je ne sais pas bluffer. Je suis un très très mauvais menteur. Ça, mes amis vous le diront. Je suis un très très mauvais menteur. Pour jouer au poker, allez, c'est parti. Ah, puis là, pas de piratage. Hein. Alors. Alors, j'espère que c'est le Texas Hold'em. Je joue avec vous. Ok. Petite blinde, grosse blinde. Ok. Donc, je serai le premier à jouer. Oui, c'est ça. Hein. Non. C'est la petite blinde de commencer. Ok, 10 de carreau, 2 de carreau. 2 carreaux. On peut miser. Et je peux pas faire voir. Ah non, oui, je suis obligé de suivre la petite blinde. Je suis con. Hop, allez. Dommage, une carte, j'avais une suite. Arrête-toi, Tobias. Qui t'envoie? Arrête.
Allez. Tu te trompes de personne. Non mais range ton flingue. Mais quel con! C'est pas ça que je voulais, allez! Bon. Attends. J'ai juste besoin d'un truc. Après, je te laisse. Non, c'est pas moyen. Ça va. Je suis pas avec. Moi, je te vois toi. Parce que je pourrais te tuer et me servir. C'est pas une réponse, mec. Bah si. Bon, écoute. Je pose pas pour qui tu crois. Aïe. Bon. Magasin clandestin, outils artisanaux, bricolage. Blackout. Oh oui, je veux. Scan CTOS. Ok, d'accord. Eh ben, ça roule ma poule. Oh, oh, s'il te plaît, surveille ton langage, hein, garçon. Ouais, très bien de venir aussi tard que Tobias. Je suis déjà recherché par les mêmes teams. Et puis maintenant, je suis SDF, moi aussi. Mais il a pris des médocs ou de la drogue. Si j'étais lui, je ferais gaffe. Il est recherché par les fixeurs. Et s'il le retrouve, qui sait ce qu'ils lui feront. Et au fait, Maurice m'a gentiment donné les coordonnées. Il a l'air convaincu qu'il trouvera quelque chose. Tu vas devoir suivre sa piste. J'ai aucune idée de ce qu'il veut dire, mais je pensais que ça pourrait t'intéresser.
donne-lui un cookie. Allez. Et tu... Et tu m'envoies un véhicule tant que tu y es, s'il te plaît. Oh, ah putain, tu peux pas me les mettre plus proches, non? Les autorités portuaires ont saisi un conteneur chargé de matériel d'armement valant plusieurs millions de dollars. Le chargement venait d'Europe centrale. Les circonstances de son arrivée ne sont pas claires. La police dit qu'il s'agit d'une opération de grande envergure, sans nous en dire davantage. Les autorités portuaires ont saisi un conteneur chargé de matériel d'armement valant plusieurs millions de dollars. Le chargement venait d'Europe centrale. Les circonstances de son arrivée... Bon, t'es sympa, le prochain coup, t'arrêtes de hurler. Oh là là. Je vois pourquoi elle hurle cette radio à chaque fois. Pourtant tous mes sons sont assez bas, mais il y a cette radio qui hurle quand elle s'active de façon aléatoire, mais bon.